Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui, nous allons parler de détourage avec notre ami Wilbur, alias The Gimp. Et ce n'est pas si compliqué et que ça vous permettra de faire de jolis petits trucages. Alors, nous allons tâcher de détourer cette rose. C'est pas du tout aussi compliqué que ça y paraît. Vous prenez cet outil de détourage que voici. Extraction du premier plan. Vous allez prendre la forme globale de l'objet. C'est-à-dire que vous allez prendre, vous avez un lasso qui vous est proposé pour commencer à délimiter une zone de travail. Donc, vous allez cliquer, maintenir et faire glisser en faisant tout le tour de l'objet. Alors, dans mon cas, là, j'en rajoute un petit peu. Il n'y a pas besoin d'être aussi proche que ce que je fais. Vous voyez, on peut aller un petit peu. Alors, je vais garder avec les jolis pétales. Voilà. Et magie vidéo. Vous faites entrer. Avec donc les touches entrée, hein, je redis bien fort. Vous avez donc maintenant la possibilité de peindre. Vous allez au pinceau et vous allez lui indiquer. Vous voyez donc en clair, c'est la zone qui pense être la bonne, du moins celle qu'on a délimitée à l'instant. Et on va peindre pour lui indiquer vraiment, pour permettre à l'algorithme de déterminer la forme exacte, quelles sont les couleurs qui composent réellement notre objet. Donc bon, vous faites votre petite balade. Voilà. Tranquillement. Vous inquiétez pas, vous pouvez faire ça en plusieurs fois. Il faut pas s'inquiéter, regardez, hop. Je mets de la peinture n'importe où. Et hop, voilà. On continue, et c'est. Voilà. Il va commencer à pouvoir se faire une petite idée. Et on relâche. Voilà. Donc, après, quand vous maintenez contrôle enfoncé, vous allez pouvoir gommer les parties que ça ne va pas tout à fait. Par exemple, alors n'oubliez pas que vous avez le clic central hein, pour vous déplacer. Hein, et contrôle et molette qui vous permettent de zoomer ou dézoomer. Hein. Donc, on gomme. Les parties où on trouve que c'est un peu excessif. C'est pas grave qu'il reste un petit peu de rebord. Hein. Vous verrez par la suite qu'il y a une astuce qui va nous permettre, disons, de faire avec sans aucun problème. Donc, même s'il en reste un peu, là voilà, j'exagère pour vous montrer. Hein. C'est vraiment. Je me mets en mode parano. Et voilà, pouic pouic pouic. Et tant qu'on y est, puisqu'on a commencé. Voilà. Hop, hop, scratch, dégage. Et on peut pinailler si on veut. Bon, c'est moi ça. Quand je commence, voilà. Bon, on va enlever le plus gênant des nous. L'idée d'avoir une forme la plus propre possible, en fait, surtout au niveau de la forme en elle-même. Comme je vous dis, qu'il y ait des petits restes de couleur du fond, c'est pas sur les rebords, ça n'a pas d'importance. On va le tirer, en fin de compte, à la fin, on va tout repeindre et le tirer à l'alpha en débordant un petit peu progressivement. Ce qui fait que. Avoir un bout de rebord comme ça nous aide en fin de compte. Vous voyez là, ah, petite boulette, toc. Ouais, hop, à l'arrache. On va remettre après un petit coup. Voilà. Bon, on termine. Alors là, on va enlever le reste du aussi du pétale qu'on n'a pas voulu parce qu'il était pas beau.
n'a pas abîmé. Voilà, on va lui dire qu'on n'en veut pas. Hop. Voilà, on le vire complètement. Alors, c'est pas grave, encore une fois, qu'il reste un petit bout. C'est pas la fin du monde, hein. Ah. Ah, il en reste encore ici. Tata, on va faire magie de la vidéo. Et appelez-moi Oudidjo. Donc, alors là, attention, il a fait une petite erreur. Donc, on va, voilà, lui dire non, mon pote, c'est pas bien. Ne vous inquiétez pas. Hop, non, ça c'était juste pour m'amuser. Ah, reste un petit bout encore. Voilà. Ça c'était une saleté sur mon écran. Ok, j'ai mis, faut que je nettoie. Bien calibré, mais il n'est pas nettoyé. Voilà, bon. Vérifier hein, vite fait, ou mieux faire un petit tour du propriétaire pour être sûr. On valide avec entrée, hein, tout simplement. Donc, une fois qu'on a notre forme, on fait un CTRL C, puis CTRL SHIFT V. Vous pouvez dans le menu édition si vous voulez. Hein. De tout, c'est de faire copier, puis coller dans une nouvelle image en fait. Il va falloir l'agrandir. Changer la taille du canevas, où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est, il est là. On va l'agrandir. Ah, ça c'est pas bon, on n'est pas proportionnel, donc c'est problématique. On recommence. Voilà, on verrouille bien, hein. Comme ça on agrandit proportionnellement. Le tout c'est que l'image va venir on va venir la centrer, vous voyez. Comme ça, hop, on n'a plus qu'à agrandir. On lui dit, on fait un clic droit sur le calque et on lui dit. On veut que le casque soit aux dimensions de l'image. Ainsi, vous voyez, hop, on atteint les rebords de l'image. Il nous suffit maintenant de lui demander, alors, filtre. Alors, si vous êtes sous un Linux, vous pouvez lui demander le gimmick. Donc je peins le fond, je fais remplacer la couleur et je lui indique la couleur depuis laquelle il va peindre, d'accord, et vers laquelle on va vers l'alpha. Donc Replace Color. Normalement c'est dans le menu des couleurs, hein, là je l'ai mis en favori, mais vous l'avez dans la liste des filtres, vous cherchez dans les couleurs, vous avez Replace Color, tout simplement. Donc on met le smoothness, la tolérance, c'est-à-dire la variation, est-ce que ça peut plus ou moins aller au-dessus ou en dessous de la valeur de la couleur. Et smoothness, c'est de combien ça va déborder lentement en diminuant la transparence. De sorte qu'on va faire un rebord doux qui va se fusionner doucement avec le nouveau fond. Alors, vous voyez là, ça laisse un fond un peu noir parce que j'ai mis du noir à l'arrache et vous voyez, ça bave un peu autour. Je vais vous montrer. Vous voyez? Si on prend, mettons, alors on va faire comme si. On va rajouter un calque. On va mettre un nouveau calque. Bon, transparent de base, ouais. Donc, dedans, on va lui. Ah oui, alors on va ouvrir. On va ouvrir bonne image de jardin. Donc, on va le mettre dans ce calque. Donc, on le colle, copier-coller. On va lui dire, pardon, clic droit, donc ancrer dans ancrer le calque. On va l'ancrer sur celui d'en dessous, c'est pour ça qu'on a créé un juste avant. Et vous voyez, si je le mets dessus, pouf, cette image, elle est venue dessus. Je peux la déplacer, elle est transparente, hein, il n'y a pas de problème. On peut même, si on a envie, la redimensionner. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, voilà. Ah,
Mauvaise sélection de calque. Hop. Avec contrôle, vous pouvez faire plein de choses. Enfin, contrôle et shift vous permettent de tout faire en fait. Si vous combinez les touches, vous verrez que. On va gérer les formes, etc. Voilà, donc on pourrait la mettre dedans, mais on aurait un petit rebord. Donc maintenant, pour éviter ce rebord. Pour éviter ce rebord. Bah. Faut revenir en arrière. On va. Alors, ça irait si on mettait sur un fond sombre. Maintenant, comme c'est très lumineux, il faut s'y prendre un tout petit peu. De manière un peu plus. Entre guillemets, compliquée. Donc. On va. On va lui dire qu'on veut prendre une couleur, donc on prend la pipette, et on va chercher la couleur la plus marquante sur les anciens rebords. Cette couleur s'avère donc être ce marron. Donc je repeins dans ce marron, hein, tout simplement. Je mets le peu de peinture, splotch. Je vais relancer le gimmick. Et alors là, je vais lui demander, vous voyez. On va régler le zoom, hein, avant. On prend la pipette là et on lui dit marron. Enfin, on lui clique dans le marron à côté. Simplement dans le décor. Maintenant, vous voyez, là, ça va être beaucoup plus efficace. Alors, il faut gérer la tolérance. Là, pour le coup, on va pas. Enfin, on va surtout baisser le smoothness parce qu'on veut que ça fasse à peine de dégrader et mettre une tolérance, ma foi, relativement importante là parce qu'il y a quand même pas mal de variations et de toute manière, cette couleur n'est pas retrouvée à l'intérieur de l'objet donc il n'y a pas de risque qu'il aille faire des transparences à l'intérieur de l'objet. Bon, là, ouais, c'est un peu bourrin. Donc on va ajuster ça. De tatillon hein, si on veut vraiment être voilà si on veut vraiment si on veut être pointilleux voilà si on veut vraiment faire un très beau truc bon pas très beau du mieux qu'on peut donc maintenant si on remet notre ami notre calque qu'on remet l'image dedans j'ai toujours en contrôle C voilà on la réancre. Donc on remet le calque en dessous et là vous voyez, vous allez vous rendre compte que et évidemment la même boulette sélectionne bien le calque avant. Voilà. Vous allez voir que maintenant si on le déplace, eh bien magie magie. Là ça peut devenir assez vite bluffant. Voilà. Je vais tâcher de mettre les éventuels liens utiles. Alors évidemment, une fois que vous avez fini, vous sortez cette image. Hein. Vous la mettez au milieu. Vous lui dites découper l'image selon le calque. Hein. Vous verrez, il y a des petites bordures, vous voyez? Des petites bordures sur les côtés. Ces petites bordures, enfin, vous voulez. C'est le transparent en fait, dégradé. Donc, vous enregistrez, vous enregistrez, vous enregistrez, vous enregistrez, vous enregistrez, vous avez envie. Et surtout, vous choisissez, donc si c'est du transparent, donc il vous faut de la PNG, hein, de préférence. Tada! Ouais, le sujet. Et vous pourrez le réutiliser où vous voudrez. À la plouche, bientôt chez vous. Bon, un petit post-scriptum pour les Ubuntusiens, vous allez dans la Logitech, vous cherchez Gimp, vous allez dedans, vous cliquez sur plus d'informations, hein, dans la fiche de Gimp, et vous cochez simplement Grey Magic, donc qui est Gmic, hein, enfin qui est Gimmick, si je devais le prononcer. Vous faites appliquer les changements, tout simplement, et ça va vous rajouter la fonctionnalité dans Gimp, tout simplement. Pour les autres, vous allez sur le site officiel, je vais vous mettre le lien. Et vous voyez, vous avez les liens de téléchargement, tout simplement, que ce soit Windows ou Mac, ou les autres enfin, d'autres Linux, même si je crois que dans Debian, vous le trouvez aussi dans Synaptique. Voilà, ciao cette fois!